Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu. Firewatch live sur la chaîne du Caribou Canada. Oh yeah! Becoming quite the problem. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower. What? It's just quoi? C'est juste un règlement à garder. Il y a des infos sur les postes de différentes espèces d'arbres, etc. Ok. Vas-y, regarde-la. Vérifie qu'elle est en bon état. Examiner la fiche de Flore. Ok, ouais, elle est là. Pourquoi t'es bizarre? Super excellent. Tu vois le deuxième arbre en partant de la gauche en haut? Attends, je te dis tout de suite. Non, inutile de me dire, essaie de l'intérioriser. C'est un grand arbre. Il y a une zone qui porte le nom de cet arbre dans le secteur. De quoi tu devrais y aller peut-être? Cottonwood. Cottonwood Creek, ok. Bon, allons-y. Parce que je me range jusqu'à la rivière. Droite.
Continue dans un bout. Bon, par ici. Ok, on est sur la bonne route. Je suis posé de faire ici. Allez à Cottonwood Creek, c'est ça. Pas sud-ouest. L'arbre est là. Je vais aller à l'arbre. À moins que je vais au Big Tree. À l'est. Non, je pense qu'il y avait quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Je vais là puis je retourne après? Et une boîte. I'm here at Cottonwood Creek.
Tu vois la boîte de matériel? Elle est quelque part dans le coin. Cherche bien, trouve-la et trouve-la. J'ai changé le code. 5, 6, 7, 8. Tu te moques de moi? J'étais pressé. Ok, j'ai trouvé la cash box. Great, open it. Ouvre-la. C'est bon, je l'ai. Bien, ça m'aurait pris la journée pour le faire parvenir, ça. J'ai marché jusqu'aux boîtes de matériel, menti à un ranger, menti à un autre ranger. Si tout va bien, tu tiens maintenant une radio qui n'est pas sur écoute. Tout va bien, bordel de merde, Henry. Il faut qu'on entre sur ce site. Ce que font ces gens, c'est illégal, n'est-ce pas? Vous allez découvrir comment ils font ça, pourquoi et tout le reste. Tu comprends? Bordel, c'est quoi ce merdier? Quelqu'un nous écoute? Je ne sais pas. Nos radios sont sur écoute? Merde, c'est une blague ou quoi? Nos radios sont sur écoute, c'est clair. C'est pour ça que je t'ai laissé celle que tu viens d'avoir les mains, mais comment c'est possible? J'en sais rien, Henry. Qu'est-ce que tu sais? Je sais que j'ai peur. Tout ça n'a aucun sens. Est-ce que je suis en train d'inventer tout ça, les écoutes, les fiatures? Est-ce que merde? Est-ce que c'est pour de vrai? Quoi? T'es sérieux? Peut-être que je suis juste en train de devenir cinglé. Quoi? Comme Julia, peut-être que ça m'arrive à moi. J'imagine que j'ai un chef ici et quelqu'un nous espionne. Henry. Peut-être qu'il y a quelque chose dans l'eau, que nos postes sont sous des lignes de haute tension et que toi, Delia, tu n'es pas réel. Henry, pense à elle. Si ce qui lui arrive à elle t'arrive à toi, tu ne pourrais même pas t'en rendre compte. OK. Henry, je t'adore. Je suis réellement et tout ce qui se passe en vrai, je suis aussi réel que ciel que tu parles. Prends le temps de te poser. Appelle-moi, je suis avec toi. Okay, I'm all right. Tout va bien, je dirige vers le site. Reste vigilant.
Je viens de penser à un truc pas terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de classer un rapport qui stipule qu'un de nous deux n'a jamais vu ni parlé au campus et a disparu il y a quelques semaines. Alors? Nos radios étaient à sous-écoute au moment où on en parlait, et peut-être même à ton premier jour quand tu es rencontré. Oh non. Maintenant, quelqu'un a probablement une transcription de toutes ces conversations. J'ai classé un rapport mensonger. Les campeuses n'ont pas été retrouvées? C'est ça. Merde, en effet. Faut vraiment qu'on tire ça au clair. Quel arbre je suis censé intérioriser déjà? En jeu du haut, le deuxième en partant de la gauche. Va à l'endroit qui porte le nom d'arbre et passera un après-midi magnifique. Je suis supposé de revenir ou quoi là? Accéder à Wapiti Mado, ok. Je me rends jusqu'à là. Non, non, là. Je viens d'entendre quelque chose. C'est quoi? Je ne sais pas. En tout cas, c'est terrifiant. Ça pourrait être un cerf ou quelqu'un qui voudrait que tu utilises ta radio histoire de te localiser. Merde. Je te conseille d'éviter ça.
Mr. Flight, je te vois. Je te vois, Mr. Flight. C'est rare, hein? Il y en a de plus, ça prend du temps, je comprends pas. Tu te regardes à travers quelle sorte d'appareil? PC portable. Je ne vais pas à bonne place. Je ne vais pas à bonne place. Allez. Bon, c'est par là. Et passé. On va voir ce qu'on descend là. Non, la clôture. Eh.
Ferme la porte. Note à l'attention du personnel de Wapiti. Et vous, si vous voulez rejoindre le Dr. Simon, il sera sur le site du 15 août au 15 octobre. L'équipement de l'université est sous la responsabilité du Dr. Johnson. L'équipement du gouvernement est sous la supervision de Kat Ferdinand. N'oublie pas que la zone est contrôlée et qu'il faut signaler immédiatement tout problème de fonctionnement ou infraction. Il n'y a personne dans les parages. Heureusement pour nous, Dee vient de trouver du matériel de télécommunication vraiment sophistiqué, un truc sans fil. Qu'est-ce que tu en parles là? Je suis devant un gros pylône de transmission de 6 mètres de haut. Ils peuvent sûrement écouter ce qui leur chante. Ils sont nichés au fond de cette vallée, ce qui est rend invisible pour toi ou tout autre guetteur. Il y a toutes sortes de trucs par ici. Genre, des paraboles et des machins sur les pieds métalliques, il y a des câbles partout, je sais pas. La high-tech et moi, ça a fait deux. Comment ont-ils pu ramener tout ça, ce matos ici? Les corps des ingénieurs de l'armée ont bien installé nos tours. Tu penses que c'était le gouvernement? Aucune idée, je dis juste que c'est une possibilité. J'ai rencontré plusieurs fois des guetteurs à fond dans les théories du complot. Ils savent que la conspiration des hélicos noirs, peut-être qu'ils ont utilisé un de ces engins pour ramener tout ça. Je suis dans leur tente, il y a quoi? C'est une sorte de poste de surveillance, pas de doute là-dessus. C'est le bordel sur le bureau. C'est comme si quelqu'un avait pressé ou avait renversé un tas de trucs de super accident. Je crois que c'est le bureau qui font toutes les surveillances. Juste des cadrans, des ordinateurs et toutes sortes de bidules. Putain, je crois qu'ils peuvent surveiller notre pouls et d'autres trucs de ce genre. Honnêtement, à ce stade, il n'y a plus grand-chose pour me surprendre. Je demande bien où ils sont. Toutes leurs affaires sont là. Ils savent que t'es là, alors trouve ce que tu peux et sors de là. Ok, ce truc a perdu les pédales, il bip de plus en plus vite. Qu'est-ce qu'il détecte? Je sais pas, je vais chercher ça.
Il y a 3 couchages des lits de camp. Je veux savoir ce que ce truc détecte. Écoute, tu devrais sortir avant qu'ils reviennent. Je crois que c'est un bureau qu'ils font toute leur surveillance. Ça, j'ai déjà lu ça. Holy shit, you don't think they're able to record our heart rate and stuff, do you? Seriously, at this stage, I'd believe just about anything. Ils trafiquent quelque chose, le sol aussi, les quadrillés. Qui sait ce qu'ils peuvent bien mijoter d'autre? Suivre le beeper. Henry Delia. Oh. Non, mais je rêve. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé un dossier contenant des rapports. Qu'est-ce que ça dit? Ce sont des évaluations sur nous deux. Il y a des informations sur Julia. Du genre, des choses dont je t'ai parlé, c'est... Qu'est-ce que t'as dit sur moi? T'as dit qu'il y avait des choses. On dirait bien qu'ils m'ont suivi. Ce que je fais quand je me balade, Henri, tu m'entends? Ils disent que t'es encore en couple avec ton petit ami. Quoi? C'est faux? Ils cherchent à nous déstabiliser. Ouais, ok. Crois-moi, comment est-ce qu'ils connaissent ce bordel? Comment est-ce que... Ça a assez duré. On peut plus les laisser nous faire ça. On devrait foutre le feu à cet endroit. C'est peut-être exactement ce qu'ils veulent qu'on fasse. Qu'est-ce que t'en as par là? Ils essaient peut-être de nous pousser à commettre des actes absurdes. L'herbe est extrêmement sèche par ici, ça partira en flammes en un instant. Bon, si t'as raison, ça change tout en effet. On ne peut pas se permettre de mettre quelque chose d'irréparable, c'est tout. Bon, c'est peut-être pas la meilleure idée. C'est pas une super idée, c'est sûr. Je suis tellement remonté, putain. Là-bas, je rentre, t'inquiète, je vais m'en aller, point barre. On a le récepteur d'onde, on pourra réfléchir à la suite demain. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Où la clôture? C'est ici. Oh shit!
Un arrêt? C'est quoi qui a fumé en provenant du nord de Lake Jonens et les... Bizarrement, c'est tout près de l'endroit où tu te trouvais. Est-ce que tu vois? Oui, ok, ouais, je vois ça. Je crois t'avoir entendu dire que c'était pas une super idée. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les traite comme vraiment pas quoi faire? On a un feu qui se propage dans le bois. La seule chose à laquelle je sais comment réagir, mais à cause de tout ce merdier, je sais pas quoi faire. Et que dire du responsable de ce feu, hein? La personne qui l'a déclenché? Ouais. On a affaire à des types qui nous surveillent, qui ont décidé de foutre le feu dans la forêt, qui nous entourent et à tout ce qu'il y a dedans. Et je sais pas pourquoi, à part en foutant le camp. Ouais, fais-nous sortir d'ici. Ok. Heureusement, j'ai sauvé les feuilles, par exemple. Faut utiliser le récepteur dans. Le serveur vient de détecter un signal. Le truc, c'est quoi? J'ai trouvé un appareil qui réagit à une fréquence. C'est comme ça que j'ai trouvé les rapports hier soir. Et là, il s'est remis à biper. Il a capté une fréquence. Ouais, de quoi qu'il peut s'agir? Je sais pas, à quoi... À toi de le découvrir. Et je me mets en route. Non. Une bouteille de tequila Major Bueno à la crique. T'es saoul? Non, mais je travaille. Bon plan. Je suis dû pour faire des plans. Je me dis que je pourrais passer la nuit à penser que je vais perdre mon poste à cause de l'incendie du site. Ou alors je pourrais tout oublier et attendre que les choses se calment. Ce n'est pas comme si quelqu'un pouvait prouver quand il était sur place. Je pense que je vais suivre le recteur Dawn. J'aime bien quand tu penses. Je te laisse penser quelque chose. Je me sauve. Salut, attention à toi. Merci d'avoir passé. Sud-Ouest. Je garde le haut.
shit! What? Clé de la cave. Fais quoi là? J'ai trouvé une espèce de sac de provisions. Il contient du matériel de camping, léger, des vêtements, l'essentiel quoi. Mais sans brancher une alarme, je crois que c'est les télérécepteurs. Tu fais bien, c'est pas un piège ou un truc comme ça? Je vais bien, mais j'ai aussi trouvé un trousseau de clés. Je comprends pas pourquoi elle était cachée ici. Il y a marqué Forêt nationale de Shoshone, une grotte 452. Est-ce que c'est la grotte qui se trouve dans le canyon? Ouais, c'est là. Qui avait pris ça? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette cave? Ok, réfléchissons un peu. Une demi-bouteille qui a bu du tequila et sent peut-être en panique. Il se prépare à mettre les voiles, l'incendie, les affaires en nouveau takiwaki, donc c'est nous. C'est dur de se dire qu'on est là-dessus quand on est planté dans le noir au bon milieu d'une forêt. Eh bien, t'es rentré à ton poste? T'es peut-être loin, besoin de boire du truc toi aussi. Je suis pas dans mon poste. J'aperçois un homme debout dans ton poste. C'est pas toi. Vincent, vas-y. Bon, par là. Je me suis un peu perdu. Est-ce que ce type est toujours là? Non, il est parti. Je t'appelle quand je serai rentré. Il n'y a personne ici. Il était là il y a un instant. Ça a assez duré. On ne peut plus les laisser nous faire ça. On devrait foutre le feu à cet endroit. L'herbe est extrêmement sèche par ici. Ça s'enflammerait un peu en un instant. C'est un enregistrement de notre conversation quand j'étais sur le site de recherche. On dirait qu'il a été pris à des courtes portées. Ah bon sang. Ça donne l'impression que c'est nous qui avons déclenché l'incendie et que c'était ton idée.
Non. Ne flippe pas. Et ne panique pas. En pensant, il se passe quoi, putain, Henri? Ça a assez duré, on ne peut plus laisser nous faire ça. L'herbe est extrêmement sèche. Nous faire ça? On devrait foutre le feu. Je crois que je vais vomir. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu Firewatch, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!